Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi après-midi et je pense que je reprends ce vlog suite aux images de dimanche que vous avez vues où j'ai rejoint une copine à Paris et où on a fait ensemble la coulée verte. Alors pour les Parisiens ou ceux qui habitent en région parisienne, vous connaissez forcément, mais pour les autres, c'est une balade de plusieurs kilomètres dans Paris qui traverse que des chemins ou des parcs qui ont été aménagés et qui sont donc fleuris. En plus, avec l'arrivée du printemps, là, tout est en train de bourgeonner, voire même tout est en fleurs, donc c'est vraiment super sympa. Le ciel était un petit peu gris, mais franchement, les images ne font pas justice à ce qu'on a vu, c'était vraiment très très beau. Et si jamais vous passez dans le coin et que vous avez envie de vous balader, ben, je vous recommande de le faire, parce que vraiment, ça vaut le détour. En tout cas, c'est sûr que d'ici quelques semaines, je pense que je la referai pour voir avec encore plus de fleurs, et avec un petit peu de chance, avec le ciel bleu aussi. Mais j'ai vraiment passé un super moment. Toujours est-il que cet après-midi, je me suis dit qu'il était temps que je fasse un petit peu de rangement, aménagement, entretien plantes, bref, que je m'occupe un petit peu de mon intérieur. Et j'ai pensé que j'allais vous emmener avec moi de pièce en pièce et vous expliquer à chaque fois ce que j'allais faire. Et là, le premier truc que je vais faire, donc on est dans ma cuisine, c'est que je vais enlever le lierre qui est suspendu juste à côté de ma cuisine, parce que j'ai eu des retours de plusieurs d'entre vous qui me disaient qu'en fait le lierre ne se plaît pas du tout en intérieur, qu'il peut tenir quelques mois mais qu'il y a de grandes chances qu'il finisse par mourir. Donc je vais le passer sur le balcon et je vais le remplacer par une bouture de pothos néon que j'avais eu en cadeau dans le colis que j'avais commandé sur Bouture et moi. Donc j'ai acheté un petit panier en osier avec du plastique à l'intérieur pour le mettre dans mon macramé. Déjà, ça sera une bonne amélioration parce que pour le moment le pot de lierre il est posé directement comme ça dans le macramé, donc ça le tâche à chaque fois que je l'arrose. Là je l'ai lavé, il est un petit peu en meilleur état, mais je vais remplacer tout ça. On se retrouve dans la chambre, j'ai fini de faire mon changement dans la cuisine et j'ai aussi changé d'avis, je n'ai pas utilisé ce cache-pot là finalement dans le macramé de la cuisine parce que je trouvais qu'il était trop gros pour le macramé, donc j'ai utilisé un autre cache-pot, mais c'est pas grave parce que celui-ci je vais l'utiliser pour la chambre puisque ça fait des mois qu'il faut que je m'occupe de suspendre ce macramé que j'avais fait pour une vidéo que je trouve absolument magnifique mais que je n'ai jamais pris le temps d'accrocher. Donc je vais l'accrocher juste derrière moi à côté du poteau néon que vous apercevez à la caméra et dedans je vais mettre mon Pixie Arenal. Finalement j'ai décidé qu'il n'était pas assez bien dans le pot boobs que j'avais acheté, je préfère le changer de place. C'est ce que je disais, j'ai envie de faire du réarrangement plante. Et pour suspendre mon macramé au mur, je vais utiliser les crochets transparents commandes dont j'avais déjà parlé en vlog. En fait, ce sont des crochets qui permettent de suspendre des choses au mur sans faire de trous. Donc c'est parfait quand on est en location comme moi et qu'on n'a pas envie d'abîmer les murs. Je vais utiliser ça, il suffit simplement d'appliquer les languettes sur les murs, de mettre le crochet par-dessus, ça se colle ensemble. Et puis ensuite, c'est parti, on peut les utiliser. Donc je vais m'occuper de ça. Dans la salle à manger et je m'apprête à faire du rempotage, donc j'ai sorti mon tout nouveau tapis de rempotage qui m'a été offert par ma tata à mon anniversaire et qui est fabriqué maison, donc je suis assez contente de pouvoir l'utiliser pour la première fois. Et j'ai transvasé des plantes de la chambre dans la salle à manger. J'ai mon Raphidophora tetrasperma, mon figuier lyre et mon Diefenbachia qui ont besoin d'être rempotés, et l'idée c'est que je vais essayer à chaque fois de les faire passer dans un pot de la taille du dessus. Et le Raphidophora a aussi vraiment besoin d'être tuteuré puisque j'avais fait un espèce de bricolage maison où j'avais accroché deux tuteurs ensemble pour qu'ils puissent continuer de grimper.
Mais là, il a vraiment dépassé ses tuteurs, donc j'ai été en acheter de nouveaux. Et je vais vous montrer comment je vais essayer de m'organiser. Donc l'idée, ça va être d'essayer de faire passer chaque plante dans le pot du dessus. Donc le Raphidophora dans le figuier dans le Diffenbachia et le Diffenbachia dans le pot qui est vide juste ici. Donc forcément, je vais commencer par le Diffenbachia et à chaque fois, il va falloir que je lave les pots que je vais vider pour éviter de transmettre des nuisibles ou des maladies si jamais il y avait quoi que ce soit dans les plantes. Normalement, on devrait rien avoir, mais bon, mieux vaut être prudent. Donc je vais m'occuper de ça maintenant. On se retrouve maintenant dans le bureau. En fait, c'est la dernière chose que je voudrais faire pour cette session d'entretien plante. Il y a ma Maranta qui est juste ici et il y a quelques mois, j'en avais fait des boutures. En fait, il y en a que deux qui ont pris parce que très clairement, je m'en suis mal occupée. J'ai beaucoup oublié de les arroser, donc il y en a deux qui ont survécu. Et j'aimerais profiter d'être en train de faire du rempotage pour en fait tout simplement remettre les deux petites boutures dans le pommaire pour compléter un petit peu le dessus de la plante qui est en train de se dégarnir. Coucou tout le monde, on est actuellement vendredi en fin de matinée.
J'avais une très grosse pause ce midi, donc je suis rentrée à la maison et je me suis dit que j'allais en profiter pour préparer le goûter pour ce soir. Quand on va rentrer du travail, comme ça, tout sera prêt et on pourra célébrer la fin de la semaine qui a été assez intense avec un bon goûter et un bon thé. J'avais envie de faire quelque chose d'un tout petit peu différent cette semaine, mais en fait, j'ai réalisé que je n'avais absolument rien du tout à la maison, à part quelques ingrédients. Donc je pense que je vais reprendre la recette du 4 quarts que je fais très souvent, mais au lieu de les faire en petits muffins, je vais en faire un cake et je vais faire un cake marbré. Comme ça, ça changera un tout petit peu quand même. Donc je vais réserver la moitié de la pâte et y ajouter du cacao pour qu'elle prenne une jolie couleur et pour pouvoir créer la marbrure. Je pense que ça devrait être assez facile à faire, donc je n'ai pas cherché de recette sur internet. Je vais faire ça un petit peu comme l'envie m'en prend, comme je le sens. J'espère que ce sera réussi quand même. Je vais m'y mettre maintenant, ça devrait tenir dans mon temps de pause. Donc c'est parti. Thank you.